Voilà, vous vous installez sur le sol, allongé. Placez votre caméra pour que je puisse vous voir. Et après, par contre, coupez vos micros, comme ça, s'il y a des bruits dans votre maison ou quoi, ça ne gênera pas les autres. Voilà. Alors, pour celles qui sont déjà allongées, ben, étirez-vous, tirez vos pieds d'un côté, vos bras de l'autre, bâillez, soupirez. Il y en a qui se sont en train d'arriver dans la séance, donc profitez de prendre le temps de vous étirer. Voilà, bâiller, tourner d'un côté, ouvrir les genoux, se rouler. Voilà, imaginez mettre un petit peu la carcasse en vibration, je dirais. Voilà. Trouvez ce que vous avez besoin de faire pour vous accorder à votre corps. Et puis tranquillement après, ben, vous vous installez dans une position qui vous va bien. Le foulard pas loin de vous pour pas être obligé de faire des gros efforts dans quelques secondes. Voilà, je vais vous proposer de venir un petit peu tapoter sur le haut de la cage thoracique, entre le sternum, les clavicules, voilà, au-dessus de la poitrine. Comme s'il y avait des gouttelettes d'eau qui tombent, vous passez sur le sternum pour aller sous la poitrine. Voilà. Puis après, avec la main droite, vous allez aller pianoter, tapoter sur le côté gauche. Puis, hop, et puis vous changez de main pour aller tapoter sur le côté droit de la cage thoracique avec un mouvement un petit peu sec du poignet. Voilà. Puis quand c'est possible et que vous avez envie, vous reprenez les deux mains. Vous allez bien aussi sur le côté du sein à droite et puis à gauche. Voilà. Tapoter, hein, c'est vraiment, il faut que ça percute. Hein, c'est de la percussion qu'on fait. Ce n'est pas juste des petits chatouillis, c'est de la percussion. On vient percuter toute la cage thoracique. Voilà. Essayez de voir si avec la main, si je soulève un petit peu mon épaule et mon omoplate droite, est-ce que je peux aller sur le côté, voire un peu sur l'arrière de ma cage thoracique. Et puis après, ben bien sûr, identique de l'autre côté. Allez-y. Encore percuter un petit peu tout cet espace. Voilà. Et puis tranquillement, vous allez sentir que ça peut peut-être suffire. Et puis posez les bras délicatement sur le côté. Allongez vos jambes, tranquille ou tranquillette. Voilà, venir respirer dans cet espace-là, là partout où vous avez tapoté. Venez remplir cet espace pendant votre respiration et plutôt votre inspiration. Nous avons des chats et des chiens avec nous. Voilà. Remplissez cet espace au rythme de votre respiration. Voilà. Vous l'avez percuté, vous l'avez rendu vivant, vous l'avez rendu vibrant. Donc maintenant, on va pouvoir le remplir. À l'inspire, ça se remplit tout cet espace. Ouais, super. Encore deux ou trois fois. À l'inspire, je remplis ça. Très bien. On va essayer d'aller flirter entre le corps et l'esprit, l'esprit et le corps. Et pour ça, je vais vous donner un petit peu des images, des définitions, des ressentis, des choses qui vont vous accompagner. Et donc la première chose, ça va être ce temps de cohérence entre mon intérieur et mon extérieur,
entre mon enveloppe corporelle et mon enveloppe non corporelle, qui est où, dedans, dehors, qu'importe. Et on va laisser le silence agir. Et donc, chez les bouddhistes ou chez les Kogi, qui est une tribu indienne, apprendre du silence, c'est observer et écouter l'intérieur. Donc, je vais vous proposer pendant quelques secondes de vous relier à votre intérieur. Et le premier son qu'il nous propose d'entendre, c'est le son de l'univers qui joue en nous par la circulation sanguine. Donc, même si vous ne l'entendez pas, parce qu'on n'est pas habitué, laissez votre esprit imaginer un réseau de flux montant-descendant, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, du bras droit au bras gauche, un grand réseau de circulation. Donc, imaginez-le si vous n'arrivez pas à le ressentir, à l'entendre, à l'écouter. Le seul endroit où vous pouvez l'entendre, ce réseau, c'est dans votre cœur. Donc, de l'intérieur, peut-être vous entendez le boum, boum, le tambour de ce cœur. Ou alors, vous avez plutôt envie de l'imaginer. Imaginez ce grand réseau. Le deuxième son que les bouddhistes ou les Kogi nous invitent à observer et à écouter, c'est le vent qui nous berce à l'intérieur, c'est notre respiration. Donc vous pouvez vous laisser bercer par votre respiration. Vous pouvez écouter sans influencer cette respiration. Soyez à l'écoute de l'univers par votre cœur et à l'écoute du vent par votre souffle. Je ne sais pas si c'est Maria-Sophie qui n'a pas coupé son micro, mais merci de le couper. Voilà, encore quelques secondes sur cet état d'écoute intérieure qui va relier le corps physique à d'autres corps, qu'importe l'esprit en tous les cas. Écoutez votre cœur, écoutez votre souffle. Soyez serein dans votre cœur. Et soyez rempli par votre souffle. Encore une ou deux respirations, encore quelques battements, encore quelques secondes où je me connecte à ces sensations intérieures. Et en même temps, j'assimile un état d'être reposé, tranquille, apaisé, au contraire agité, frétillant. Quel est à cet instant présent votre état d'être, sans jugement, sans honte, sans retenue? Comment je me sens à travers cette symphonie de l'univers qui circule dans mon sang et ce vent qui me berce par ma respiration? Comment tout ceci fait corps en moi? Comment je m'écoute et je me ressens à cet instant?
Et puis délicatement, on va revenir en présence sur ce tapis, peut-être en bougeant un petit peu, en ondulant, en s'étirant, tout doucement, tranquillement, quelques secondes. Et puis vous allez attraper votre foulard et vous bander les yeux. Et si vous ne vous bandez pas les yeux, de toute façon, vous ne pourrez pas me voir. Mais l'idée de se bander les yeux va automatiquement influencer quelque chose. Et on va donc chanter un canal pour en ouvrir un autre. Donc, je vais vous demander maintenant d'avoir les jambes fléchies, les pieds posés au sol. Les bras le long du corps. Voilà. Et vous n'allez pouvoir faire confiance qu'à vos ressentis. Vous avez donc les yeux bandés. Je dis ça parce que des personnes viennent rentrer. Donc les yeux sont derrière le foulard. Vous ne pouvez plus voir ni vous-même, ni l'écran. Et donc, il va falloir faire confiance à votre intérieur, à vos ressentis. Puis, vous allez rentrer tranquillement dans les respirations dites pilates, mais avec l'influence de venir respirer plutôt dans toute la cage thoracique à l'inspire. J'envahis toute ma cage thoracique quand j'inspire. Et quand je souffle, peut-être par un petit filet d'air, un petit peu long, pour venir sentir ce qui se passe en bas de mon ventre, sous le nombril, juste avant le pubis, vers la fin de cet expire qui est allongé. J'inspire en haut, derrière, et quand je souffle, j'écoute et je ressens ce qui se passe en bas, petit à petit, entre le pubis et le nombril. Je souffle un petit peu plus longtemps, ce qu'on appelle une expiration consciente ou forcée, mais j'aime pas trop ce mot, donc je vais rester sur consciente. Puisque juste avant tout ça, vous étiez dans des respirations dites naturelles. Je vous laisse faire encore ça deux fois. Inspire, c'est la cage thoracique qui se gonfle. Expire, c'est la cage qui se dégonfle, je vais dire. Et le bas du ventre qui va s'activer ou pas selon vos ressentis. Donc, sur la prochaine expiration, si vous arrivez toujours à sentir le bas de votre caisson abdominal, de vos abdos, de cet espace qui se serre, qui se contracte, qui s'engage, ben vous faites un pouce vers le haut. Et si vous ne sentez rien, vous faites un pouce vers le bas. OK. Merline, il faudra juste fléchir tes jambes. Merci. Parfait. Maintenant, dans cette position-là, vous relâchez la respiration dite pilate. Vous revenez dans une respiration tranquille, naturelle. Et puis, vous allez observer ce que fait votre bassin naturellement quand on ne contrôle rien et qu'on glisse la jambe droite sur le sol. Je glisse mon pied au bout du tapis sans décoller la jambe du tapis et j'écoute mon bassin qui va certainement s'affaisser d'un côté. Et puis, je cherche pas à aller doucement, hein. Je cherche à juste allonger ma jambe, hop, et je la ramène, plutôt dans un mouvement un petit peu dynamique. Peut-être que quand je l'allonge, je sens mes fesses se décaler une par rapport à l'autre. Vous regardez si l'autre côté, ça match pareil. Est-ce que quand vous tendez la jambe sans rien contrôler, votre bassin
s'enfonce plus d'un côté que dans l'autre. Votre fesse, une des fesses, s'enfonce plus sur le sol. Est-ce que vous remarquez ça ou pas? Ok, très bien. D'accord. Ok. Alors à présent, on va reprendre notre respiration Pilates. On va se concentrer à l'intérieur de nous, revenir au moment où à l'expiration, le bas du ventre se fait sentir, se fait vivre parce qu'il s'engage, il se serre. Vous voyez le mot qui va bien. Et dès que vous ressentez ce petit temps de travail musculaire, vous commencez à allonger la jambe en évitant que le bassin bouge, en évitant qu'une fesse s'assoie plus dans le sol que l'autre, en contrôlant par l'intérieur. C'est votre intérieur qui contrôle le travail que moi je vois à l'extérieur. Pareil, c'est au moment où vous soufflez que vous allez ramener la jambe pour éviter que les fesses ne s'enfoncent l'une plus que l'autre. C'est votre respiration qui va guider le mouvement. Ce n'est pas votre tête qui guide, c'est votre respiration. Votre jambe doit bouger quand le ventre commence à se faire ressentir, à se faire tenir, à s'engager, à s'affiner. On change de jambe si vous ne l'avez pas fait. Voilà, vous devez contrôler votre mouvement. Pour éviter d'avoir la sensation que votre corps obéit à votre jambe. Votre esprit contrôle votre bassin et votre jambe bouge. Et une dernière fois. Et le retour sans bouger le bassin. Voilà. À présent, on va laisser les jambes tranquilles et on va s'occuper plutôt des bras. Et de la même manière, quand vous allez souffler, donc c'est dans le souffle que l'on travaille, quand vous allez souffler, vous allez imaginer que vous mettez de l'espace entre vos oreilles et vos épaules, que vous poussez le bout des doigts vers le bout des tapis. Comme si votre tête sortait de 10 cm de votre cou, comme si on tirait une antenne que l'on a enfoncé les morceaux les uns dans les autres. Et puis à l'inspire, je laisse tout se relâcher parce que je viens envahir ma cage thoracique. Et à l'expire, je souffle, je sens mon ventre vivre sous la contraction musculaire, je ne sais pas, sous l'engagement musculaire, sous la sollicitation musculaire, et je suis prête à me grandir. Et à nouveau, j'inspire, je lâche, et c'est ma cage thoracique qui s'emplit. Et à l'expire, paf, je renais, je sors de terre comme une fleur qui vit au printemps. Je sens plein de travail musculaire à différents endroits. Je sens peut-être au niveau des trapèzes, je sens peut-être au niveau des omoplates, je sens peut-être au niveau des triceps, je sens certainement encore au niveau de mon bas-ventre. Et puis quand vous êtes prête, eh bien on va associer l'abaissement des épaules et l'allongement d'une jambe. Pour aller activer le travail des membres supérieurs et membres inférieurs en contrôlant le bassin, en étant dans le contrôle d'une partie, je peux mieux bouger les autres. Je m'appuie sur mon sacrum. Et je peux aussi m'appuyer sur le pied qui reste au sol.
Je peux, en même temps que j'allonge mes mains, à un moment donné, ventouser mes bras pour pouvoir avoir envie de m'appuyer dans le sol si je sens que je suis plus stable. Encore une fois, chaque jambe. Quand j'inspire, je suis libre de tout. Je suis une poupée de chiffon. J'inspire dans mon dos. J'inspire. J'ouvre bien toute ma cage thoracique. Je souffle et je pointe vers l'extérieur les pieds et la tête à l'opposé. Je suis reliée que par mon intérieur. Et la fois prochaine, ce sera la dernière si vous avez bien équilibré droite et gauche. Vous allez placer pour ceux qui terminent, terminé. Et pour les autres, vous venez placer vos mains sous le crâne, dans le bombé de la tête. Si le nœud du foulard vous gêne, vous portez le nœud sur un côté, près d'une oreille. Donc les mains sous le crâne. Voilà. Essayez de sentir à présent, vos coudes vont peut-être s'orienter vers le sol. Essayez de sentir à présent le changement d'ouverture, d'amplitude de votre cage thoracique et peut-être le changement d'appui de votre colonne dorsale. Si pour vous, ce n'est pas parlant, parce que vous n'aviez pas observé la fois d'avant, alors vous redescendez vos bras le long du corps, vous observez votre corps de l'extérieur et vous venez replacer vos mains derrière la tête pour voir la différence. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez retrouver le dos que vous aviez tout à l'heure quand les bras étaient au sol, alors que vos bras sont derrière la tête. Est-ce que c'est possible? Lever un pied, un genou, plutôt que de lever un pouce. Ouais, ok. Super, très bien. Voilà, donc votre dos est posé de la même manière. Peut-être que ça vous a obligé à fermer un peu les coudes, peut-être pas, il n'y a pas de souci. Vous vous êtes organisé avec vos possibles. Et puis maintenant, on va reprendre la respiration Pilates. Donc, éventuellement, la cage étant plus ouverte, on va avoir plus de facilité à inspirer ici. Donc, j'inspire largement. Et à l'expire, je vais ressentir différentes étapes. Donc, pour le moment, souffler. Et à l'expire, je vais vous faire ressentir différentes étapes de l'expiration. Et on va commencer par l'étape la plus basse qui est au niveau du périnée et plutôt entre les quatre os du périnée, pubis, coccyx, les deux ischions. Et au début de l'expiration, vous allez imaginer que ces quatre os se rapprochent mais sans rien bouger dans votre bassin. C'est juste une imagination. J'imagine que ces quatre os se rapprochent dès que je commence à souffler et je continue à souffler. Puis quand je ne peux plus souffler, ben, je reprends de l'air, j'inspire dans la cage thoracique, j'essaye de pousser dans l'arrière du dos, dans l'arrière-cœur, dans l'arrière des omoplates. Et quand je souffle, ben, c'est les quatre os en bas qui commencent à fermer, comme s'il y avait un petit lien qui unissait ces quatre os et que je resserre ce lien. Et mon expire va continuer à faire la suite. La prochaine fois où ces quatre liens sont un petit peu plus rapprochés, vous allez en même temps refermer un petit peu les coudes comme si vous deviez les relever du sol de 10 ou 20 centimes, 15 cm. En même temps que le périnée s'engage, vos coudes vont décoller du sol. Et puis dès que les coudes sont décollés, les mains vont décoller pour venir prendre le poids de la tête dans les mains. Donc on ne cherche pas à relever le tronc, on cherche juste
à décoller les bras du sol, puis à venir porter la tête. Et dès que vous avez trouvé ce poids de la tête dans vos mains, vous ne posez plus la tête au sol. Vous restez là, vous continuez vos respirations, j'inspire, j'expire, c'est les quatre points cardinaux du périnée qui s'activent. Et je vais essayer de monter un tout petit peu plus en tirant sur mes coudes, de monter un tout petit peu plus l'arrière de la tête, le haut du buste. Mais je tire sur mes coudes comme si mes coudes et mes mains étaient un hamac et que les coudes soient les cordes du hamac pour que ma tête pose dans le centre du hamac. Donc, d'un coude à l'autre, je vais garder le terme en tension. Je suis tendue comme un hamac et ma tête est portée dans le hamac. Mes bras sont vivants, mes bras sont actifs, mes pointes de coude se dirigent quelque part. De ce fait, j'active toute une partie musculaire d'un bras à l'autre en passant par le grand dorsal. Maintenant, ça c'est votre position de départ. On ne posera plus la tête au sol pendant à peu près 4 heures. Je plaisante. Vous allez donc vous occuper de vos jambes en maintenant cette traction du hamac. Et donc, ce qui va être important, c'est votre périnée. Je ne compte que sur lui. Je ne ressens que lui. Je ne peux voir que lui à l'intérieur de moi-même. Vous allez inspirer. Expire, je tire mes cordes du hamac. En même temps, je ferme en bas le petit lien des quatre os et je vais décoller les deux talons du sol. Je garde mes 10 orteils par terre. Je garde cette position-là pour checker un petit peu, voir est-ce que mes abdos ont gonflé, est-ce que j'ai poussé sur le bas du ventre, est-ce que j'ai lâché dans mes bras, est-ce que je peux faire un scannage de tout mon corps depuis le sommet du crâne, les mains qui portent le hamac, les pointes de pied au sol, la petite courbure lombaire qui est respectée. Et puis si tout va bien, les bras commencent à peser. Prochaine expiration, quand vous engagez le plancher pelvien, vous allez juste décoller les orteils droits et venir placer le genou à angle droit au-dessus de la hanche droite. Et là, vous ne pouvez plus voir. Alors, vous allez imaginer votre alignement. Je check à nouveau. Si c'est compliqué pour mes bras, j'ai le droit de reposer et puis de me réinstaller dans la prochaine expire. Donc, à chaque fois, on fait arrêt sur image pour pouvoir introspecter son travail. Et si tout va bien et que je sens que je peux encore maintenir dans cette position-là, alors je vais délicatement, avec l'engagement du bas du périnée, une fois que mes liens sont tenus, serrés, décoller l'autre pied et venir placer l'autre genou à côté. Ça respire encore. Je scanne depuis le sommet du crâne. Je scanne mon hamac. Je tire les liens du hamac. Je tire mes coudes. Je respire. J'ai mon ventre qui doit être tenu en bas. Super. Et puis délicatement, je vais venir allonger la jambe droite dans le vide à 25, 40, 50, 60 cm du sol. Ça dépend, c'est vous qui devez voir comment je peux l'attendre sans que mon ventre ne gonfle, sans que mon bassin ne bouge. Où est-ce que je suis bien, que j'ai toujours mon hamac, que j'ai toujours mon ventre comme
la peau d'un tambour bien tenue, bien solide. Et je respire. Et puis, vous allez essayer de inspirer pour ramener cette jambe qui est tendue. Et expirer, mais d'abord j'engage mon tambour, mon périnée, pour après aller tendre l'autre jambe. Je ne tends l'autre jambe que si mon hamac est actif, que si mon appui sur le sacrum est solide et que si mon ventre va pouvoir rester en place. À nouveau, quand j'inspire, je tire mon hamac, je ramène. C'est mon appui sur le sacrum qui va m'aider à tenir mon ventre. Encore une fois, pour chaque jambe. Attention, vous devez avoir toujours le même espace du dos posé au sol. Vos muscles dorsaux ne doivent pas modifier leur appui sur le sol. Le hamac est toujours tendu entre les deux coudes. Et puis quand vous aurez fait les deux jambes pareilles, je vous propose de jouer le jeu, c'est-à-dire de garder vraiment vos genoux là où ils sont, d'enlever le bandeau et de vous auto-évaluer sur l'alignement des hanches et des genoux. Si vous êtes satisfait, pas satisfait. Si vous pensez que vous n'étiez pas assez aligné. Et on repose tout ça au sol. OK. Très bien. On va tourner sur un côté pour se redresser en position assise. Voilà. Et juste prendre 3 secondes pour faire un petit retour sur cette expérience avec les yeux fermés. En tous les cas, bouchés, occultés. Je vous écoute. Non ? J'adore. J'adore. OK. Merci. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pas? Ça change peut-être rien. Ça vous a obligé à quelque chose ou pas? La concentration n'est pas du tout la même. C'est, on est vraiment à l'intérieur de nous. On ressent vraiment... pour ma part, en tout cas, j'étais vraiment... je vivais le mouvement, quoi. J'étais vraiment dedans. D'accord. Merci, Estelle. Génial. Okay. Les appuis sont décuplés, les sensations sont vraiment super intéressantes. Quoi. Ok, très bien. D'autres retours? Perception beaucoup plus fine du plancher pelvien. Ah, du bassin. Génial. Ok. La Kodak, très bien. Alors, on va se placer. Oui. Catherine. Et moi, c'est vrai que comme Estelle, le travail a été beaucoup plus intense, mais dès l'intérieur, et comme j'avais les yeux fermés comme tout le monde, et en fait, c'est la tête qui... C'est comme si j'étais... là, je vois le travail que tu, chaque fois tu dis l'esprit sur le corps. Et en fait, l'info part. C'est comme si, voilà, c'était une... je ne sais pas si c'est le mot collaboration, mais c'est, ça passait comme ça, comme s'il y avait une énergie ou un courant. Voilà. D'accord, impeccable, très bien. Quand tu dis on était vraiment maître de son véhicule pour le coup, c'est ça. Cette phrase du coup parle vraiment, prend toute son ampleur en fait. Ok, super. Alors, on n'est pas, voilà, on n'est pas pollué parce que comme on ne voit pas, c'est vraiment, c'est moi qui, voilà, mon esprit qui me dit, voilà, tu es positionné comme ça et comme je me connais, vraiment, et regarde, j'ai transpiré alors que cette posture, je l'ai fait plusieurs fois, mais là, vraiment, c'était top.
Ok. Donc, sans y répondre, gardez votre réponse pour vous, parce que des fois, ce n'est pas tout de suite qu'on peut répondre, mais interrogez-vous sur quel pouvoir a le regard, quel pouvoir ont mes yeux sur mon exercice. Je ne parlerai que de l'exercice. Quel pouvoir j'ai quand j'ai les yeux ouverts et quel autre pouvoir j'ai quand j'ai les yeux fermés. Posez-vous cette question. Répondez pas tout de suite parce que peut-être ça peut être compliqué, mais voilà. Et si vous avez envie, on se fera des bribes de réponses à la fin, mais là, on va passer dans un autre exercice et je vais vous proposer de vous installer sur le côté, donc de remettre le bandeau et de vous installer sur le côté. Donc, vous avez vu qu'aujourd'hui, même si vous ne me voyez pas, Oui, pour le coup. pour le coup, c'est pas grave. Parce que de toute façon, vous ne m'auriez pas vu. C'est magique. La vie est magique. Voilà. Donc, recoupez les micros pour qu'il n'y ait pas trop de bruit perturbant, c'est entre nous, et que vous soyez vraiment captés que par ma voix. C'est très joli. Ça te va bien le bandeau sur le front. Allez, on le baisse sur les yeux. Alors, vous allez vous installer une fois les yeux bandés, couché sur le côté. On va dire le côté que vous avez envie, le droit, le gauche, qu'importe, parce que comme tout le monde n'est pas dans le même sens, c'est compliqué. Le bras qui va être au sol sera sous l'oreille. Voilà. Et vous allez essayer d'avoir l'alignement le mieux possible, malgré les yeux fermés, de venir aligner. Alors, de votre pointe de coude, parce que certains ont le coude plié, ou alors de la pointe des doigts, jusqu'au sacrum. Pour venir après placer vos deux jambes à angle droit devant vous. Les genoux se fléchissent à angle droit, c'est-à-dire qu'on aligne les hanches et les genoux. Et ensuite, on aligne les genoux et les chevilles. Donc, vous êtes vraiment en train de chercher un autograndissement dans l'axe tête-sacrum. Puis après, on a un angle droit, comme si on était assis sur une chaise qui est renversée, qui est posée sur le côté. Donc, Catherine, je pense qu'il faut que tu plies, voilà, que tu plies tes bas de jambes. Parfait. La main qui est libre, elle va être devant la poitrine. Et vous allez peut-être essayez, puis après, si c'est désagréable, vous changerez, mais vous allez essayer de tourner les bouts des doigts vers la poitrine pour que le coude se dirige le plus loin possible de vous, de manière à ce qu'on puisse aller capter toutes les fibres du grand dorsal qui correspondraient à la partie de votre bras qui tire le pull. Vous voyez là, le pull qui arrive de la taille et qui vient vers la manche, eh bien ça correspondrait un peu au grand dorsal. Donc la main, elle est devant vous. Catherine, pose la main par terre. Les doigts tournés vers la poitrine. Alors, Catherine Bourgarel. Les doigts tournés vers la poitrine. Donc, c'est ta. Pose ton plat de main. Voilà. Le coude s'éloigne de l'épaule, mais l'épaule ne va pas vers l'avant. L'épaule vient vers l'arrière. On met de la distance entre l'épaule et le coude. Voilà, venez remplir l'espace du grand dorsal, comme si vous veniez d'ouvrir une aile et plier l'autre partie de l'aile. Et puis vous allez venir juste remplir cet espace-là par votre inspiration. J'inspire, je viens faire vivre l'arrière des poumons, surtout ce poumon-là,
que l'autre, il est un peu écrasé au sol. Voilà. Alors, dans cette position-là, travaillez sur les quatre points, les quatre os du périnée. On va essayer de le remettre en action malgré que les sensations ne seront pas les mêmes. Voilà, donc on va réactiver l'inspire dans le grand dorsal, dans le poumon qui est vers le plafond. Je viens envahir cet espace. Et à l'expire, eh bien, je sens peut-être mon ventre se faire attirer par ma colonne vertébrale. C'est plus difficile. Là, il va falloir que ça soit volontaire parce que la pesanteur vient faire pousser votre ventre vers le sol. Et puis, je vais activer le nord et le sud de ma colonne vertébrale dans un autograndissement, le crâne et le coccyx à l'opposé. Et je vais essayer de mettre de la distance entre la hanche qui est vers le haut, vers le plafond, et la côte flottante du même côté. Parce que là, vous êtes en train de vous affaisser pour certaines. Et moi, je veux que vous vous grandissiez. Donc, j'ai tout le côté qui est vers le plafond, qui est actif, qui est là, qui est vivant, qui est rempli, soit par mon inspire, soit par la volonté de ne pas subir la pesanteur. Vous allez visualiser l'ischion de cette fesse qui est en haut, et puis vous allez lui donner un tout petit peu plus de jeu à cet ischion, comme s'il devait aller pointer un petit peu plus vers le mur qui est à l'opposé de la tête. Voilà, parfait. Maintenant, sur la prochaine fois où vous inspirez, vous allez remplir la cage thoracique côté haut et à l'expire, activer l'espace entre les côtes flottantes et le bassin et venir décoller le genou de dessus de quelques centimètres. Voilà. Essayez de sentir si vous avez bougé votre hanche, si vous avez raccourci l'espace entre la hanche et la côte flottante. Et puis, tout doucement, à votre rythme, la prochaine fois où vous soufflez, continuez à respirer hein, pendant que j'explique. Vous allez imaginer que votre bassin est contre un mur et que petit à petit, vous allez monter le genou vers le ciel, le tibia vers le ciel, un peu comme si on ouvrait le dessus d'une boîte, d'un coffre. C'est-à-dire que votre cuisse va partir en rotation externe, mais que votre hanche ne va pas aller vers les côtes flottantes et que votre bassin n'ira pas vers l'arrière. Et puis, vous revenez parallèle sans poser les deux genoux l'un contre l'autre. Je résiste à la pesanteur. Et à nouveau, j'ouvre la boîte en éloignant la hanche des côtes, en activant ma main dans le sol pour que mon grand dorsal vienne renforcer mon dos. Et puis, ça se referme et encore deux fois. J'active tout mon dos, je suis vivante dans mon axe nord-sud, tête, coccyx. Je viens libérer ma hanche par cette rotation externe. De fait que cette rotation ne doit pas polluer le bassin. Il y a une articulation qui s'appelle bassin et dans ce bassin, il y a une articulation qui s'appelle hanche. Je ne mobilise que la hanche et pas le bassin. Encore deux fois, votre rythme, vous ouvrez, vous fermez en contrôlant la distance hanche-côte flottante. Et en investissant tout ce côté. Et la prochaine fois que vous redescendez, vous pouvez poser la cuisse sur l'autre jambe. Appuyez sur votre main pour vous redresser sans enlever le tissu des yeux. Appuyez sur votre main. Puis, vous allez venir mettre la tête à la place des pieds et les pieds à la place de la tête.
on se réinstalle dans sa longueur, dans son intérieur, dans son axe. Les deux jambes seront fléchies. On va donner à ce côté-là le même temps de travail et les mêmes étapes. Catherine, il faudrait que tu montes un tout petit peu plus à angle droit tes jambes sans regarder, juste en le ressentant. Investissez tout votre côté avec le grand dorsal. Déployez cette aile. Votre grand dorsal, il s'attache au milieu de l'humérus à l'arrière et il vient tapisser le bas du sacrum. Voyez comment il est large. Donc, imaginez vraiment cette aile déployée. Appuyez sur cette main de manière à éloigner le coude de votre épaule. Voilà. Re-rentrez dans une ou deux respirations pour décoller le genou de dessus quand vous êtes solide, quand votre bas du caisson est tenu. Je décolle la jambe de dessus, voilà. Je me réinstalle dans cette amplitude au niveau de la cage thoracique, dans cette solidité au niveau de mes appuis. Et puis, je vais rotationner dans ma hanche sans jamais basculer le bassin vers l'arrière. Et je suis vivante dans mon appui du bras, dans mes abdominaux, dans mon auto-grandissement. Voilà. J'active mon appui. Imaginez un peu comme une balance. J'appuie ma main et mon genou monte. Puis quand mon genou descend, peut-être que mon appui-main n'a pas besoin d'être autant appuyé. Essayez de sentir et de ressentir l'engagement de votre auto-grandissement, mais en même temps le remplissage d'énergie dans l'espace costal, l'espace de la cage thoracique. Allez, encore trois rotations dans cette hanche sans influencer le bassin. Donc, ni vers l'arrière, ni vers les côtes flottantes. Essayez de voir si ce côté est plus facile, si le genou monte plus haut, si la rotation est plus fluide. Et la dernière rotation, en envahissant la cage thoracique d'énergie, en grandissant l'axe nord-sud de la colonne vertébrale, en identifiant quelle est la partie de mon os qui tourne pendant que l'autre reste stable, et puis ça relâchera délicatement. Et donc là, vous arrivez, vous gardez vos deux genoux à leur place. Vous enlèverez le foulard pour voir entre ce que vous ressentiez et l'angle droit. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que c'était un chouïa trop, un chouïa pas assez? Voilà. Et puis, ben, vous vous appuyez pour vous redresser, revenir vers votre micro. Et puis éventuellement, vos ressentis. Plus difficile pour moi, les yeux bandés sur le côté. C'est au niveau de la hanche, je ne voyais pas trop si mon bassin partait ou pas. Pour moi, ça a été la difficulté. Exact, tout à fait. Et comment dire ?
Tu t'es senti comment? Plutôt frustrée, plutôt challengée, plutôt agacée, Frustrée. stressée, c'est ça? Non, frustrée de ne pas Frustrée. pouvoir le contrôler du coup par l'œil, puisque j'avais du mal à le contrôler par le ressenti. C'est ça, tout à fait. OK. Et tout à l'heure, j'ai oublié de mettre mon micro sur le ressenti de Vas-y. tout à l'heure. Vas-y, Bon, t'en prie. et du coup, on était effectivement plus concentrés sur soi. Mais en même temps, je pense que j'ai aussi l'habitude de travailler peut-être les yeux fermés. Alors, ça a été plus OK. facile pour moi le premier exercice que celui-ci. Voilà. Plus facile parce que là, tu aurais eu envie de pouvoir t'auto-corriger par le C'est regard. ça. Ouais, il m'a manqué un peu. Ouais, vraiment. Très Au niveau bien. du bassin, je ne voyais pas trop. D'accord. Et est-ce que de la manière dont tu étais placée, tu arrivais à garder le bassin fixe tout en faisant rouler l'articulation du fémur dans la hanche? Alors, en fait, je ne sais pas si je pouvais aller à mon maximum. Du coup, je n'allais pas chercher mon maximum parce que j'avais peur, tu vois, il me manquait une dose, tu vois. Je ne voyais pas trop jusqu'où je pouvais aller. D'accord, ok. Merci pour ce retour. Pour les autres. Ben, moi, en fait, au départ, je n'ai pas. J'étais. Quand tu as commencé à donner les consignes au départ, j'ai raté le début et du coup, je suis partie. Ma position n'était pas du tout bonne. Et après, c'est vrai que bon, j'ai fait l'exercice, le premier côté, mais c'était plus difficile. Mais quand on a changé, mon cerveau a. Voilà. Ça a été plus facile Ça de avait l'autre déjà côté. traité une fois les informations, donc il savait ce qu'il Voilà. fallait faire. Voilà, c'est Intéressant. ça. Ok, très intéressant. Voilà. Merci Catherine. D'autres retours? Pas spécialement? Personnellement, pour ma part, ça, j'ai pu observer les limitations d'une hanche à l'autre. Ouais. OK. On n'est que dans le mouvement de la hanche, donc ça vraiment centralise vraiment le point de concentration. D'accord. Très bien. OK. Alors, moi, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est quand vous avez les yeux fermés, est-ce que vous êtes guidé par des consignes ou est-ce que vous êtes consciemment ou inconsciemment guidé par l'envie de faire, d'avoir des alignements justes, de savoir si je suis bien? Est-ce que vous Bah, les comprenez deux, ma c'est question? complémentaire. C'est complémentaire, les deux, je dirais. D'accord, peut-être. Ça peut être complémentaire. C'est juste pour savoir si à un moment donné, parce que j'occulte le regard, par exemple, et je ne sais pas bien si je suis angle droit, je ne sais pas bien si je suis alignée ou si je suis un peu comme ça. Est-ce que du coup, je le prends? Et j'écoute les consignes et je continue. C'est-à-dire, est-ce que j'occulte ça ou est-ce que quelque part, comme on dit à Marseille, j'en fais une fixette? Est-ce que vous arrivez à vous situer là-dedans? Ouais, j'ai pas tellement compris. En fait, on écoute, moi, j'écoute tes consignes, effectivement, Ouais. et du coup, bah, je m'auto-corrige et voilà, après, avec le ressenti que j'ai en fonction de ça, effectivement. Ok, d'accord. D'accord. Je dirais que moi, j'en fais une fixette. Je me demande si je suis toujours bien placée. Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas? Voilà. Ok. Même si je suis tes consignes, j'ai toujours le doute. Très bien, d'accord. Moi, je ferais une fixette sur un truc, par exemple. Je peux passer, Ouais. par exemple, 1 minute plutôt sur la respiration. Et après, on va dire que le reste, ce n'est pas trop important, ou une fixette sur le placement, etc. Donc, j'alterne. C'est quelque chose qui me paraît à l'instant T, Super. travailler, quoi. Ouais. Priorité. Ah, ça a coupé la fin, Arnaud. Moi, j'étais le plus intéressant. Merci. Et je ne répéterai pas ce que j'ai dit, voilà, Ok, très bien. Donc,
Je pense qu'il n'y a pas, moi j'ai pas à dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste de vous permettre de comprendre peut-être à cet instant-là maintenant de comment, comment je réfléchis, comment je m'oblige des choses, comment je ne m'en oblige pas, comment je vis mon exercice, comment je me mets de la pression ou au contraire comment je me permets de ne pas me mettre de pression. C'est un petit peu comment je suis avec moi-même et voilà. Je pense que ce comment, on ne le vit pas assez avec nous-mêmes et donc on ne l'autorise pas à nos élèves. C'est juste ma pensée que je partage, hein. c'est pas plus que ça. Est-ce que je dois être dans la position juste ou est-ce que je dois être juste dans la position? D'accord. Est-ce que je dois essayer que la personne puisse tout comprendre et tout bien faire ou juste faire du mieux qu'elle peut ce qu'elle peut? Est-ce que je mets des priorités parce que on va faire un focus là-dessus. Voilà, tout ça, c'est des positionnements pédagogiques que vous pouvez avoir. Parce qu'à un moment donné, si, pour ma part, encore une fois, c'est mon partage, si on est trop dans vouloir bien faire, on coupe le corps et l'esprit. On n'est plus que dans le mental. Ça peut être bien, hein, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on le sache. C'est juste avec quels outils je travaille. Est-ce que je fais du pilates pour toujours être dans le mental? Est-ce que je fais du yoga pour toujours être dans le mental? Ou est-ce qu'à un moment donné, je nourris la pratique et le pratiquant de cet esprit qui se dégage de la discipline? Et donc, ça veut dire qu'il faut que je lâche des choses. Et qu'il se nourrit. Non, moi, je ne lâche rien du tout. Et oui. Je suis tout dans le contrôle. Il faut que je pense les épaules, la tête, la respiration, ma hanche. Je comprends, hein, je comprends, je connais. Mais par contre, j'autorise les personnes, les adhérents, voilà, à lâcher prise. Voilà. Mais personnellement, je cherche plutôt l'exercice, le mouvement parfait. Ouais. Tout à fait. Et je pense que tu n'es pas la seule. Et il n'y a pas de jugement à ça. C'est juste de s'observer de comment je fonctionne pour pouvoir mettre un curseur à un moment donné, dire OK, là, le curseur, il est plus dans le mental. Là, le curseur, il est dans le lâcher prise. Et donc, là, le curseur, il est plutôt ici, il est plutôt là. Voilà, de ce fait de pas, à mon sens, à moi, de ne pas être toujours dans la même démarche et attente, parce que aujourd'hui, même si j'ai certainement été quelqu'un de très, comment dire, de très à cheval sur les postures, je le suis peut-être encore, d'une autre manière certainement. Mais voilà, j'aurais envie de dire aujourd'hui que peut-être cet état d'esprit, justement, puisqu'on parle d'esprit, englue un petit peu les gens et nous-mêmes dans toujours un petit peu cette façon d'être. Et peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être pour travailler la relation du corps et de l'esprit. Et en tout cas, oui, vas-y. Il y a quelque chose, pour peut-être l'avoir un peu expérimenté, c'est qu'on est obligé de passer par le mental dans un premier temps et puis de laisser le mental et de venir déplacer l'observateur. C'est l'observateur, ça devient les sensations et les ressentis. Oui. Du coup, le mental, il s'apaise et je trouve que le travail en devient plus précis et plus profond. Et c'est exactement ça, tout à fait. On n'est plus en train de nous parasiter dans la représentation qu'on a de nous-mêmes dans la posture.
Exactement. Et c'est pour ça que des fois, je reprendrai ton terme que j'aime beaucoup, qui est l'observateur, et que des fois, et souvent, peut-être le rajouter dans vos consignes, ok, par exemple, placer la main vers la poitrine, observer le mouvement de votre coude, de placer les gens dans cet observateur justement pour qu'ils observent et pas qu'ils mentalisent, ah ben j'ai mon coude, il est trop à angle droit, pas assez angle droit, trop penché, pas assez penché. Parce que là, c'est l'observateur. Et puis après, ok, aujourd'hui, on travaille sur les alignements, donc il va falloir aligner ceci, aligner cela, ta-ta-ti-ta-ta. Observe ton alignement et faire ce va-et-vient entre quand j'observe, je ne suis plus trop dans le mental, et puis quand je réfléchis à ce que je fais, peut-être que là, je suis dans le mental. C'est donc, installer une forme de neutralité. Voilà, exactement. Et donc, proposer aux gens de s'observer, c'est peut-être une manière de relier le corps et l'esprit, le mental et l'esprit, le corps, le mental, l'esprit. Faire émerger des ressentis, c'est aussi important. Voilà un petit peu le petit chemin, l'expérience que j'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Et puis... Merci. Et puis, Marguerite. Vous avez avec plaisir, vous avez peut-être des questions? Non? C'est quand la prochaine séance? la prochaine, oh, je ne sais même plus quel jour on est. On est jeudi, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Demain, c'est l'OM. Demain, c'est l'OM, voilà, c'est la séance. L'OL. Séance grand écran. Il y aura une séance vendredi prochain, ça c'est sûr, vers midi je pense. Est-ce qu'il y en aura une autre avant? C'est moins sûr. Mais la prochaine, c'est sûr, ça sera vendredi prochain. Je reproposerai une autre séance lundi 21 vers 18h30, accès. On la fera en duo avec Caroline sur la respiration parce qu'on va mettre en place une formation sur la respiration. Et donc, ben, on va peut-être se permettre de tester des exercices, de voir avec vous un petit peu si ça peut répondre à des attentes, d'affiner un petit peu ce contenu de la formation. Donc le 21, il y aura une autre résonance, un autre temps de résonance sur la respiration. Voilà, donc il y aura encore au moins ces deux temps ensemble autour de résonance. Il y a la masterclass pour ceux qui sont sur Pilates Autrement, le 22, le 17, le 15 et le 22. Et puis, on aura une surprise pour le 23, le calendrier de l'Avent. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont là. Voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, Magali. Passez une belle soirée. Ciao, ciao, à bientôt. Au revoir. Et puis, désolé pour la caméra. Bisous, bisous à tous. Ciao, ciao. Bisous. Merci. Au revoir tout le monde. Plaisir. Au revoir.